Bonjour à tous, Tchoumripsour, bonjour. Bonjour à tous, Tchoumripsour, bienvenue à Phnom Penh. Alors, il pleut à Sodo, je vous le disais tout à l'heure, mais c'est pas grave, c'est la saison des pluies, on le savait, nous sommes heureux de poursuivre ce tour du monde de la francophonie avec vous, à Phnom Penh, au Cambodge, donc le royaume berceau de la francophonie asiatique. Alors, nos invités sont là. Derrière moi, le premier, c'est Fonky, qui est courageux, qui est sous la pluie. Fonky, c'est l'étoile montante de l'art urbain. Alors, il est riche, cet homme-là, parce qu'il est riche d'une triple culture, cambodgienne, française et canadienne. Il a accepté de relever le défi d'achever une œuvre en direct, une œuvre qu'il a commencée spécialement pour nous pour ce tour du monde de la francophonie. On le retrouvera à la fin de cette émission. Place à nos premières invitées qui sont à mes côtés. Merci mesdames, nous sommes ravis de vous recevoir. Eva Nguyen Binh, vous êtes ambassadrice de France dans le royaume du Cambodge. Merci d'être avec nous. Et puis Sakona Peng, ministre de la Culture et des Beaux-Arts. Alors, madame, vous êtes un petit peu chez vous ici, en fait, dans ces magnifiques jardins du Musée national de Phnom Penh. Un musée dont la première pierre a été posée il y a tout juste 100 ans. C'était en 1917 et c'était alors le dernier né des musées qui a été établi par l'école française d'Extrême-Orient en Indochine. En fait, c'était ce musée qui était... En fait, les pierres étaient déposées en 1917, mais l'inauguration se fait en 1920 par notre roi Siswat et avec le résident supérieur de Henri Bourdin. Alors le Cambodge compte 16 millions d'habitants. On dit à peu près qu'il y a 3% d'habitants qui sont francophones. 3%, ça fait 400 000 habitants. C'est pas beaucoup, mais à la fois, ça veut dire que le français est encore une langue vivante au Cambodge, en complément et non pas contre l'anglais. Bien sûr, si vous voulez, 3% n'est pas beaucoup, mais si en comparaison avec le pays voisin, le Laos, on compte 1% et au Vietnam, on à peu près 0,5 ou 0,6%. Et donc, le Cambodge apprend, a toujours pris en considération sa richesse. Nous sommes dans le pays de l'Asie, donc la formation et la langue parlant, plus part d'anglais, mais la langue française est un atout, c'est une chance pour les jeunes cambodgiens. On est très difficile d'imaginer l'historien cambodgien, archéologue, qui ne parle pas français. Parce que le fond de documentation était en français, la plupart. Histoire de notre pays liée beaucoup avec la France. Et ce n'est pas seulement au niveau de la formation, ce n'est pas seulement au niveau de la culture. Même dans le domaine de scientifique comme d'ingénieurs, de médecins, d'avocats, de droit et économique. Aussi, il y a des formations fortement en langue française. Il faut savoir, il y a d'autres opérateurs français qui existent, qui sont présents au Cambodge, comme Institut français, comme Agence universitaire de la francophonie. Aussi, il y a des présences de OIF aussi, qui nous aident beaucoup de relever. Et le gouvernement cambodgien, à travers le ministère de l'Éducation, a vraiment pris en considération d'introduire la langue française dans le système éducatif du Cambodge. Donc, il s'agit de près de 13% des élèves au primaire et secondaire qui prennent la langue française comme LV1 et LV2. Voilà, en langue vivante 1 ou langue vivante 2. Davantage en langue vivante 2, quand même, il faut bien le reconnaître, derrière l'anglais pour l'instant. Oui. Opter pour une langue, c'est pas un choix neutre, parce que opter pour une langue, ça veut dire aussi opter pour ses valeurs, pour ce qu'elle véhicule, pour ce qu'elle porte. Est-ce que c'est également pour cette raison que le Cambodge reste attaché à la francophonie, pour les valeurs de la francophonie? Bien sûr, une langue, c'est pas neutre. Si, imaginez si on prend seulement une langue, disons l'anglais, qui est vraiment répandu beaucoup dans le pays de l'Asie. Donc, une langue n'est pas neutre parce qu'à travers la langue, vous avez formé votre caractère, votre comportement, votre point de vue. Mais la langue française, c'est une ouverture à l'autre horizon. Et donc, c'est pour ça que le Cambodge est attaché pour que donne la diversité culturelle. On sait que la langue française, c'est une diversité culturelle. À travers cette langue-là, on acquérait d'autres horizons. Et donc, par contre, on n'est pas mis en accent sur la formation de masse. La langue française, la francophonie au Cambodge, on met l'accent sur la qualité. Sur l'excellence, la filière d'excellence, comme on dit en France. Sur l'influence. Donc, maintenant, ce n'est pas le moment de retrait de la langue française. C'est plutôt la chance d'avancer parce qu'on peut s'apercevoir que
notre élève, notre étudiant qui prend la langue française LV1, LV2, a beaucoup vraiment réussi dans tous les domaines, dans le domaine de différentes disciplines, ingénieurs et tout ça. Voyez, alors, on le voit d'ailleurs quand on se promène à Phnom Penh, on voit que c'est un pays qui est en pleine mutation économique, culturelle. On voit toute cette nouvelle génération qui semble tout à la fois avoir envie d'aller de l'avant, tout en reprenant possession, je dirais, de son histoire. Oui. Quel est votre regard sur la scène culturelle cambodgienne que l'on peut trouver aujourd'hui en 2017 ? La scène culturelle cambodgienne, vous savez, le Cambodge est un pays très riche au niveau de la culture. Donc on parle de la performance des artistiques. On a allé de palais royal, de ballet royal, jusqu'à la danse populaire, jusqu'à des instruments musiques des Cambodgiens, des centaines. Le ballet royal était inscrit dans la liste de patrimoine immatériel de l'humanité en 2003. Et donc, c'est une chance de montrer cette danse-là partout. Donc c'est une danse incontournable pour toutes les cérémonies officielles et même dans différentes écoles, même pour le tourisme. Mm-hmm. C'est incontournable pour cette danse classique. L'Apsara fait partie du paysage cambodgien, c'est certain. Merci beaucoup, Madame la Ministre, d'avoir été avec nous. On a été ravis de vous recevoir dans ce lieu magnifique pour ce tour du monde de la francophonie qui est le Musée national de Phnom Penh. Eva Nguyen Binh, bonjour Madame. Bonjour. On est ravis de vous recevoir également. Vous êtes ambassadrice de France depuis 4 mois seulement, je dirais. Donc vous êtes encore pleine de ce ressenti, de ces premières heures que vous avez passées au Cambodge. Quel est votre ressenti sur la présence de la francophonie dans le royaume ? Bien, moi, depuis que je suis arrivée ici, début juin, j'ai été beaucoup impressionnée et je dois dire très touchée par cette présence de la francophonie. Madame la ministre l'a dit, elle est très vivace. Mmh. Elle est très vivace ici. Nous avons des interlocuteurs parfaitement francophones. Les réunions se tiennent en français. Les ministres font leur discours en français. Mais pas que les ministres. Dire la qualité du français qui est parlé est impressionnant. 66 000 élèves encore apprennent le français en langue vivante 1, langue vivante 2. Ça ne veut pas dire que tout est facile. Mmh. Je crois que les défis ont été bien mentionnés. Il faut aussi qu'on montre de plus en plus, notamment aux jeunes, la plus-value d'apprendre le français. C'est l'intérêt d'apprendre le français, mais je crois que ce sont des beaux défis que nous relevons avec nos amis cambodgiens, en particulier les autorités et le ministre de l'Éducation, lui aussi parfaitement bien francophone. Ouais. Alors quel est le lien aujourd'hui qu'entretient la France avec le Cambodge ? Alors la question est large, parce qu'il doit y avoir de multiples relations bilatérales, mais si vous deviez en retenir une ou deux, de laquelle la France peut-elle être la plus fière ? Alors d'abord, il faut dire que les relations entre la France et le Cambodge sont intenses et de très grande qualité, je dirais de confiance et d'amitié. Une relation très forte en termes politiques, mais aussi en termes économiques et commerciaux. Et pardonnez-moi, je ne me limite pas à deux, mais aussi en coopération culturelle et mm-hmm. coopération technique. Ouais. Alors, on peut dire que cette relation s'inscrit dans l'histoire, hein, une histoire commune très forte. Mais moi, je tiens à souligner qu'il n'y a pas que l'histoire, il y a aussi l'avenir. Mm-hmm. Et je prendrai juste deux exemples. C'est d'abord le nombre d'entreprises françaises qui sont intéressées pour venir s'implanter au Cambodge ou qui viennent de s'implanter récemment. Et puis aussi, c'est que la France reste l'une des principales destinations pour les étudiants cambodgiens mm-hmm. qui veulent aller étudier mm-hmm. à l'étranger. Il y a l'attractivité du Cambodge pour les Français et l'attractivité des Français pour les Cambodgiens. Alors, je vais quand même vous montrer une image, celle de la visite de Charles de Gaulle à Phnom Penh. Je ne sais pas si on va pouvoir la voir. C'était le 1er septembre 1966. On va la regarder, si vous le voulez bien. La position de la France est prise. Elle l'est par la réprobation, par la condamnation qu'elle adresse en ce qui concerne les actuels événements. Alors voilà, ça c'était en 1966. Charles de Gaulle applaudit pour l'amitié franco-cambodgienne. C'était au stade olympique à Phnom Penh. Ceci dit, quand même, il n'y a eu aucun chef d'État français qui n'a fait le déplacement depuis ces images de 1966. Est-ce que ce n'est pas quand même un petit peu surprenant ? Alors, il y a eu François Mitterrand, après les accords de Paris, qui ont ramené la paix. François Mitterrand est venu très peu de temps après. Il y a eu Jean-Marc Ayrault, qui était Premier ministre. Certes, mais il n'y a pas le côté symbolique du chef d'État au moment des funérailles. Je ne peux qu'espérer que notre nouveau président... Est-ce qu'on peut l'espérer, on peut l'espérer, bien sûr. Bon, je l'espère. Le message est lancé, Emmanuel Macron, par l'ambassadrice de France. Il nous regarde certainement.
Donc, ça ne... Les relations, il ne faut pas l'expliquer d'une façon ou d'une autre. Non, et surtout ne pas l'interpréter négativement. Les relations, elles sont très denses à tous les niveaux. Nous avons des visites dans tous les sens, je dirais, incessantes. Le Premier ministre cambodgien était à Paris il n'y a pas très longtemps, en 2015. Les ministres se rencontrent incessamment. Mais je peux aussi souhaiter, je l'espère et j'y travaille, l'intensification de ces relations, l'intensification de ces visites, justement, en particulier au Cambodge. Et alors justement, la France, parce que le Cambodge, c'est aussi les temples d'Angkor, enfin c'est surtout les temples d'Angkor. La France co-préside avec le Japon le comité de sauvegarde du site d'Angkor. Alors on se souvient du gigantesque travail de restauration du site de Bapouane, entièrement, vous le savez, Madame la Ministre de la Culture, entièrement financé par la France et mené par l'EFEO, dirigé par Pascal Royer, un fabuleux travail. Aujourd'hui, d'autres recherches sont menées, et je citerai l'incroyable découverte faite notamment par Jean-Baptiste Chevance, d'une cité antérieure, semble-t-il, à la fondation d'Angkor, sur les hauteurs du Phnom Kulen. Est-ce que là, par exemple, la France s'engage ou s'est engagée à soutenir ces travaux-là? Alors, je tiens à dire qu'après le Bapouane, nous avons aussi commencé la rénovation d'un autre temple, un temple très original à Angkor, qui s'appelle le Mebon, avec les FEO, avec le ministère de la Culture, et bien sûr en partenariat avec nos amis cambodgiens. Donc le Bapouane n'a pas été la fin de notre action, loin de là, nous sommes et nous restons très très engagés. Vous l'avez cité au sein du comité international de coordination que nous présidons avec les Japonais, et puis par des actions directes en faveur de la rénovation de temples, et je l'ajoute, de la formation aussi des Cambodgiens, parce qu'ils doivent, et ils ont commencé bien sûr, prendre le relais. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir été avec nous. Alors, le Cambodge, c'est bien sûr ce précieux mélange entre la tradition et la modernité. On en a parlé. On va le voir également sur scène avec Chum Van Bel Sodachivi sur The Sound of Camboland de Clapia Hans. Je vous laisse admirer son art. Merci beaucoup, Belle, pour cette fabuleuse prestation en direct dans ce tour du monde de la francophonie. Nous a rejoint sur ce plateau Dissavet, une star de l'âge d'or du cinéma cambodgien dans les années 60. Tout le monde vous connaît, tout le monde vous reconnaît. Il suffit de voir ici tous les techniciens qui étaient présents, qui vous saluaient. Vraiment, un petit peu comme Brigitte Bardot en France. Vous acceptez la comparaison qui est plutôt flatteuse. Merci. Vous l'acceptez, ça? Parce que c'est la réalité quand on voit ça. Oui. Bon, alors un âge d'or du 7e art, il y en a eu effectivement au Cambodge, donc on va dire entre 1960 et 1975, il y avait
400 films qui ont été tournés à ce moment-là. Il n'en reste plus qu'une trentaine qui ont été conservés. Il y avait un roi cinéaste, Norodom Sihanouk. Et puis, il y a eu la chute de Phnom Penh le 17 avril 1975, l'arrivée des Khmers Rouges au pouvoir, le régime génocidaire, 2 millions de morts, un quart de la population du Cambodge, parmi lesquels les intellectuels et notamment ceux qui parlaient français, parce qu'il était interdit de parler une autre langue que le cambodgien entre 1975 et 1979. Et puis aussi, la disparition d'une grande partie des artistes. Alors vous avez vous-même, excusez-moi de dire ça, mais échappé à la mort par un heureux hasard de la vie. Vous étiez en Thaïlande à ce moment-là pour vos filles, heureusement, parce que vous êtes parti juste un mois avant l'arrivée des Khmers Rouges dans Phnom Penh. Vous êtes revenu en 1993. Quel était l'état du 7e art au Cambodge? Comment était le cinéma quand vous êtes rentré en 1993? Je crois que c'est un peu plus calme qu'avant, parce que premièrement, les producteurs, les actrices-acteurs sont tous décédés pendant la guerre. Donc moi, je n'ai jamais pensé que la vie des cinémas, ça revient. Mais maintenant, je vois que ça fait beaucoup... Alors justement, aujourd'hui, vous avez encore une vie dans le 7e art. On peut vous voir en ce moment dans les cinémas de Phnom Penh, oui, sur un film de Mao Ayut, où vous tenez un rôle important. On vous a vu aussi dans le documentaire, dans le film documentaire Le Sommeil d'or de David Chou, que l'on va retrouver après. Quel regard portez-vous justement sur cette jeunesse, cette nouvelle garde du cinéma cambodgien? Moi, je crois que les jeunes maintenant, ils sont des talents aussi. Ils sont assez intelligents aussi. Donc, j'espère que le cinéma cambodgien, ça marche plus qu'avant. Est-ce que vous y croyez dans cette nouvelle génération? Vous avez l'impression que le Cambodge peut retrouver un âge d'or du cinéma dans le contexte où il y a aussi l'influence des autres pays d'Asie, Hong Kong, Taïwan, la Chine. Donc, il y a la place pour du cinéma cambodgien aujourd'hui? J'espère qu'on peut partir projeter ailleurs, comme des pays voisins, vous voyez. J'espère, parce que quand même, le cinéma cambodgien, c'est quand même de plus en plus moderne. C'est pas comme notre temps, c'est vraiment... À l'époque, c'est pas comme maintenant, vous voyez. Maintenant, il y a tout ce qu'il faut à le faire, vous voyez. On a des histoires à raconter au Cambodge. Voilà, et voilà. On a les moyens de le faire. Voilà. Et on a les comédiennes. Merci beaucoup, Dissavet, d'avoir été avec nous. Je me tourne justement vers cette nouvelle génération de la jeune garde du cinéma cambodgien avec vous, David Chou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans ce tour du monde de la francophonie. Vous avez 34 ans, vous êtes réalisateur, producteur, petit-fils de Van Chan, que vous connaissez, Dissavet, vous avez tourné avec lui, un célèbre producteur donc de l'époque de l'âge d'or du cinéma dont je viens de parler. On a évoqué votre film documentaire, Le Sommeil d'or, un film qui a été primé de nombreuses fois, un film sur les films qui n'existent plus. Alors vous avez justement choisi de ne garder que les comédiens, de garder le souvenir de ces films. Vous avez la fierté de participer à ce renouveau du cinéma cambodgien? Fierté, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que... J'ai beaucoup appris moi-même en venant la première fois ici. C'était à l'époque en 2009, j'avais 25 ans. Et j'étais venu avec l'histoire familiale que vous avez évoquée, c'est-à-dire le fait que mon grand-père, que je n'ai jamais connu, était un producteur de cinéma. Je n'avais jamais vu les films qu'il avait produits, et parce qu'ils ont tous été perdus. Et du coup, ça a été pour moi un vrai voyage d'un an à travers l'histoire de ma famille, de mes ancêtres, et à travers l'histoire notamment que j'ai exploré de ce cinéma-là. Et oui, si... Ça a été intéressant pour moi de ressortir cette histoire-là et puis de comprendre aussi d'où ça venait. Quoi. Alors on parle justement de cette nouvelle industrie du cinéma. Vous avez beaucoup travaillé avec la commission du film du Cambodge, avec le centre Bopana pour y puiser des archives, fondées tous les deux par Itipan, que l'on salue, qui devait être là, mais pour des raisons personnelles, il a été retenu en France. On le salue. Est-ce que ce genre de coopération bilatérale, la CFC, le centre Bopana, c'est une formidable coopération, justement preuve de cette francophonie vivace avec le Cambodge? À mon avis, complètement. On est vraiment dans le symbole de ça. Et moi, je peux voir aussi, juste par rapport au prisme que j'ai de l'évolution du cinéma cambodgien entre 2009, la première année où je suis venu travailler ici, et maintenant 2017, et les choses ont complètement changé. Et effectivement, moi, je pense que la commission du film, qui est une antenne du ministère de la Culture, mais qui a été aussi lancée par l'Agence française de développement, Bopana,
aussi le fait que les cinémas ont commencé à réexister, les multiplex, alors qu'il n'y avait rien en fait en 2009, donc on ne pouvait pas vraiment voir les films. La démocratisation des caméras, maintenant on peut prendre une caméra un peu comme partout dans le monde. Alors les multiplex existent, mais les anciennes salles de cinéma, on le voit quand on se prenait à Phnom Penh, ça devient des karaokés, ça devient tout autre chose que le cinéma. C'est aussi dommage ça, quand même. Ça c'est triste, mais de fait, par rapport au néant qu'il y avait en 2009, c'est vrai que tous ces facteurs-là ont participé au fait qu'aujourd'hui, genre en 2009, il y avait... C'est ça, en 2009, il n'y avait pas de cinéastes que je pouvais voir qui faisaient des courts-métrages, et aujourd'hui, vous trouvez au moins 40 ou 50 cinéastes qui ont fait leur premier cours et qui se préparent à faire leur premier long. Donc il y a vraiment toute une génération qui a émergé ces dernières années. Alors on va voir un extrait de Diamond Island, le bijou pop de David Chou, dit-il le Monde, lorsque le film est sorti en 2016. On va voir un extrait, on se retrouve après, David. Okay. Il y a un problème d'oreillette, toutes les conversations, donc les cris, les trucs et tout, il y a un vrai problème, ça sert à rien la régie, donc je navigue à vue. ไกลไกลยังไง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 ไกลไกลย
ខ្ញុំបានបាត់បង់ឪពុកនិងបងប្រុសខ្ញុំមិនដែលខ្ញុំបានរីករាយជីវិតប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាមិនដែលខ្ញុំគាត់ខ្លាយទៅជាវង្វេងសង្គ្រាមបានបំបែកបំបាក់គ្រួសារយើងអ្នកនិយាយពីសង្គ្រាមតែអ្នកមិនដែលរស់នៅក្នុងសង្គ្រាមទេអ្នកមិនបានស្គាល់ពីការឈឺចាប់បង្ខំទាំងថ្ងៃទាំងយប់អត់ឃ្លាននឹងមានជំងឺដែរហើយឃើញសាកសពគ្រប់កន្លែងនោះទេប៉ុន្តែវាមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំមិនចេះឈឺចាប់នោះទេតែកម្រិតនៃការឈ
téléphonie. Krotch Sotchara nous a reçu. Bonjour, nous a rejoint, pardon, c'est nous qui le recevons. On va rentrer avec vous dans le vif de la francophonie, dans cette francophonie qui réussit, en laquelle on croit. Vous êtes un ancien étudiant des filières francophones. Vous êtes aujourd'hui fiscaliste dans un prestigieux cabinet d'avocats à Phnom Penh. Alors, je vais être très brève, mais à la base, c'est votre tante qui vous a poussé à apprendre le français. Pourquoi ? Parce que c'était elle qui finançait vos études. Finalement, vous n'aviez pas trop le choix, vous n'aimiez pas trop le français, mais enfin, vous le faisiez parce qu'elle finançait vos études. Et puis, vous n'avez eu le déclic du français que relativement tard, au moment post-bac, je dirais, quand vous êtes rentré à l'université. Pourquoi, à ce moment-là, vous avez eu, un, le déclic et la volonté de faire vos études universitaires en français ? En fait, il y a deux raisons. La première est qu'à l'époque, je voulais vraiment poursuivre mes études à l'étranger. Et après le bac, j'ai appris que les études universitaires, les études au sein des universités publiques françaises sont gratuites. Et honnêtement, je n'étais pas un très bon élève au lycée, mais ce qui est un peu paradoxe, mais il y a pas mal de gens qui m'ont dit que ce n'est pas le résultat du bac qui détermine mon futur. C'est... La motivation. Oui, c'est, si je travaille énormément en licence, je serai sans doute en mesure de poursuivre mes études en France. Et en tout cas, vous avez reçu une bourse du gouvernement français, ce qui vous a permis justement de partir à Lyon pour poursuivre ses études. Oui. Comment avez-vous vécu cette chance? Parce que j'imagine que quand on est cambodgien, étudiant le français, j'imagine que c'est une chance de se dire on va pouvoir exercer, pratiquer sa langue française dans le pays. Vous avez apprécié cette expérience? Il s'agit d'un bonheur et malheur. Bonheur parce que je peux réaliser mon rêve en ayant poursuivi mes études en France, en ayant obtenu beaucoup de diplômes, à savoir un master 2 de droit fiscal. Et c'est un enrichissement culturel et intellectuel. Et pour le malheur, c'est que j'ai été traité comme des étudiants français. Il n'y a aucune exception, aucune tolérance pour les étudiants étrangers. Par exemple, les fautes orthographiques. Et ça, c'est un sujet que Jean-Baptiste Pou connaît bien. Et justement, cette question de la quête d'identité, qui n'est pas toujours simple. Les fautes orthographiques sont strictement pénalisées. Mais ça, c'est le système éducatif en France. Très ferme, c'est pour ça. En tout cas, parce que vous êtes bilingue, il faut aussi le dire, vous maîtrisez parfaitement l'anglais. Est-ce que du coup, on peut dire que le français a été un atout supplémentaire et vous a ouvert cette porte peut-être d'être aujourd'hui dans ce cabinet d'avocats? Oui, absolument, c'est grâce à la maîtrise de la langue française que je peux travailler dans un prestigieux cabinet en tant que fiscaliste. Et fiscaliste, c'est un choix? c'est le choix que vous avez fait. En fait je peux faire des choses différentes. Mm-hmm. Je peux être un juriste fiscaliste. En fait, au Cambodge, il y a pas mal de fiscalistes, mais fiscalistes cambodgiens. Bon, et parlant français, encore, c'est encore plus rare, sans doute. Merci beaucoup, Claude Chochara, d'avoir été avec nous. On va poursuivre tout de suite. Le soleil est revenu, d'ailleurs, sur le plateau, il faut quand même le dire. La pluie de mousson s'est terminée, tant mieux, parce que Funky, il doit peut-être être un petit peu mouillé. Hein, il poursuit son œuvre, quand même. On va poursuivre cette symbiose des cultures khmer et francophone avec 12 mai, Ouk et Yout, avec leur clip Samait May. C'est surprenant, mais c'est pour ça qu'on l'aime. Et vous allez le découvrir avec nous dans ce tour du monde de la francophonie. On écoute. Chit barang che chirien pisak mai pnya dor krom clap your hands de adai samai smai nyam mam pek wa ka chran e pop min sarak sam kan cham puk main chung wan smai o ma nyam at ni je ko ha nyam korop nek dot srok mai u yon nang red sa mat tap pip ji lien ro ho sam ha moy ba pu yon ji yan ban la o chi samai thmai ku pu chi nyam pes nong sai kap ka sa thmai rakom ko sasna dai kat mo chi kong khmae mo chit pu chi min nei pip boran me chuk lei samai sum ujeung lang ro pro lo pro Lone snow, take me clap your hand. We break a grain. We say chill in. June dollar bomb. Take 'em pump to train. Some ain't my.
Soulevez-les, serrez-les, rançonnez-les. Toutes les scènes incendiées, on écrit pour assommer-les. Gens qui nous jugent sans délai, je leur déconseille de s'en mêler. Je rappe avec une culte de pure frère et de s'en mêler. Rassembler les troupes et descendre les samples et les 16. Considérer le studio comme un simple centre d'essai. Lâcher la bombe sur la toile, puis voir si rugit le tonnerre. Je veux garder une démarche honnête dans les chapitres comme dans le sommet. Somme toi, j'ai gagné, j'ai moins de pire. Somme day, pour que j'ai été sa job, vers le pain day. Somme les gens bike, j'ai son bon comme pay. Le hasanier, je suis bien comme chat d'un ray. Comme chan, mon pas. ប្រយ័ត្នពួកខ្ញុំខ្ទេចដៃនេះគឺជាសិល្បៈ hip hop ដែលគេលេងសំដីលោកដឹកកំដាប់ដៃដែលគេវាយសេរីបាយទៅវ៉ាន់ឈឹមរៀវឈឹមរៀវសម័យថ្មីសម័យថ្មីសម័យថ្មីសម័យថ្មីឡើងរំឡើងរំទាំងអស់គ្នាឡើងរំឡើងរំទាំងអស់គ្នាឡើងរំឡើងរំទាំងអស់គ្នាឡើងរំឡើងរំទាំងអស់គ្នាVoilà, on a rejoint, on a pris de la hauteur. Hein. Ah bah. Voilà, avec vous, Fonky, merci beaucoup. Vous êtes Choubripsour, vous êtes un graffeur entre style Khmer et Montréalais, car vous êtes français, né de parents cambodgiens, vivant à Montréal, et là, vous êtes à Phnom Penh. Et vous avez accepté de faire une œuvre spécialement pour ce tour du monde de la francophonie, une œuvre que vous aviez débutée, que vous avez achevée en 40 minutes. Vous nous la présentez ? Oui, bah oui, exactement. J'ai pris un peu le temps... hier, de jouer un peu avec la matière et la toile et essayer de la changer en pierre. Et donc, c'est une inspiration d'une des pièces qu'on retrouve dans le musée de Ganesh, qui date de la période pré-ancorienne, environ du 7e siècle. Et donc, j'ai fait un mélange entre l'ancien et un mélange avec un style de lettrage plus contemporain, Kbite Graffiti. Alors justement, le style Kbak, comme on dit, c'est un peu difficile à dire. C'est, en fait, ça fait référence à ce que l'on trouve sur les bas-reliefs des temples d'Angkor. Et vous, vous avez donc mêlé, comme vous dites, ce mélange des cultures dans votre art, un lettrage européen mêlé au lettrage Khmer. C'est oui, c'est bien ça. C'est depuis 5 ans, en tournant notre documentaire il y a 5 ans, en venant ici, le fait qu'il n'y avait pas vraiment de scène graffiti ou de mural présente, je ne voulais pas faire quelque chose qu'on retrouve ou que je faisais déjà à Montréal, un style plutôt qui représente le côté droit des édifices, etc. Donc, je suis allé puiser dans notre culture, dans justement les bas-reliefs d'Angkor, en me disant pourquoi copier ce qui se passe ailleurs quand on a quelque chose de tellement riche. Parce que pour moi, vraiment, le graffiti, le street art, qu'importe comment on veut l'appeler, c'est vraiment un reflet de la société dans laquelle il se développe. Et moi, au niveau aussi identitaire, culturel, je me devais de justement respecter... Et reprendre ça oui, en main et le revendre, le montrer aux jeunes générations Khmer. Exactement. Alors, vous êtes le personnage principal d'un documentaire qui a été plusieurs fois primé aussi lors de différents festivals. Il s'appelle « Retour aux sources », un retour dans le pays de vos ancêtres. Et là, vous découvrez un pays à la croisée des chemins. On va voir un extrait. On va descendre, on va rejoindre le plateau. On va descendre, on va voir un extrait tout de suite de « Retour aux sources ». Le Cambodge. Le Cambodge est comme une mère. Un jour, elle tomba malade. Souffrante. Mourante. Elle ne pouvait plus prendre soin de ses enfants. Elle a donc dû les laisser partir. Partez. Grandissez. Apprenez. Je m'excuse de ne pas pouvoir prendre soin de vous. Je m'excuse. Je m'excuse de ne pas être en position de prendre soin de vous présentement. Un jour je vous rappellerai. Et là, aujourd'hui, en ce moment précis, elle nous rappelle. Reviennent, le retour est plus que nécessaire. Et comme moi, je les rappelle de toutes les façons possibles et inimaginables. Car elles se sont mieux, elles guérissent. Et nous faisons partie de cette guérison.
Francky, c'est extrêmement touchant ce documentaire. J'invite tous les téléspectateurs qui est retour aux sources, la venue de Francky au Cambodge. Je vais retenir une phrase que vous dites dans ce documentaire. Le Cambodge est comme une mère qui ne peut plus prendre soin de ses enfants. Partez, grandissez. Apprenez. Et un jour, je vous rappellerai. Oui. On l'a vu avec nos invités précédents, avec David Chou, avec Jean-Baptiste Pou, avec vous, justement. C'est important, ce retour dans le pays de ses racines. Oui, tout à fait. L'appel se fait différemment pour chacun. Moi, disons, c'était un appel par rapport au mur, parce que je savais justement qu'il y a énormément de murs remplis d'histoires. Et donc, je voulais énormément peindre ici, mais faire quelque chose qui reflète ce qui se passe au pays, au niveau culturel. Alors justement, est-ce que ce n'est pas beaucoup plus excitant, beaucoup plus grisant de décloisonner l'art dans un pays comme le Cambodge, où on n'est pas habitué justement à se promener? Ce n'est pas comme Montréal, où on se promène partout, il y a du street art, vous tournez à droite, il y en a une. Enfin, voit vos œuvres d'ailleurs à Montréal également. Ça doit être très excitant de mener cet art au Cambodge. Oui, c'est très excitant en même temps, parce que c'est un terrain de jeu qui était quasiment vierge il y a 5 ans. Mais en même temps, il y avait comme une part de responsabilité qui s'est installée. Comparativement à avant, où je pouvais juste peindre pour le plaisir de peindre, le fait justement de se réapproprier en quelque sorte un style ancestral comme le Kebay, et de voir qu'aujourd'hui, par exemple, il y a une nouvelle génération de muralistes qui peignent et qui justement donc ne copient pas le style new-yorkais, etc., mais puisent dans la culture. Donc, alors justement, vous me lancez presque sur la perception de cet art urbain au Cambodge. Est-ce que le Cambodge est un pays très riche d'une culture ancestrale, on va dire plutôt conservateur, plutôt nationaliste. C'est pas évident de faire rentrer le graphe sur les murs. D'ailleurs, votre toute première œuvre a été effacée. Oui. D'autres œuvres, dont la très belle de votre famille, malheureusement, a disparu. On le regrette aussi. C'est pour ça que je dirais qu'en même temps, c'est oui et non. C'est accepté dans le sens où j'ai peint pas mal un peu partout dans le pays, beaucoup dans les campagnes, dans les écoles. Et le fait que ce soit un concept pas établi et que les Khmer en fait soient un peuple très artistique, très curieux, pour moi c'est une excuse. La murale devient une excuse pour rencontrer les gens en fait. Et le fait justement d'avoir peint dans les campagnes, etc., ça a créé des dialogues et expliqué un peu ce que je suis venu faire. Et après c'est vrai que ça devient plus compliqué si on le fait en ville, etc. Mais je pense que c'est un travail qui se fait petit à petit, un travail de communication et de dialogue aussi, intergénérationnel surtout, parce que c'est un art qui est très jeune, mais en même temps, ça reste de la murale. On peut aller voir par exemple la pagode d'argent au Palais Royal et il y a de la murale. Bien et donc sûr. En même temps, on vient avec le... ou bien personnellement, je viens avec tout un respect pour nos ancêtres, etc., et d'essayer de faire quelque chose qui représente notre pays, mais aussi propre à une espèce de fougue ou d'énergie de la jeunesse qui est en fait le Cambodge. Alors justement, vous partagez votre talent avec la jeune génération cambodgienne. Vous mettez en valeur cette notion de guérison par l'art. La guérison d'un pays, d'un peuple, ça peut passer par l'art? Oui, je pense. C'est arrivé justement en 2012 où je ne pensais pas qu'il allait arriver tout ce qui est arrivé avec le documentaire, etc. Je suis vraiment juste venu avec l'intention de peindre. Mais en peignant justement ma famille ou en peignant des lettrages Kebay, en peignant dans des bidonvilles, c'est vraiment en voyant déjà directement avec mes parents qui ont commencé à parler, à me livrer plus sur leur histoire, sur l'histoire de leurs parents, le fait d'avoir un véhicule comme l'art, que ce soit la peinture, la danse, la musique, pour moi c'est différents véhicules qui servent en tout cas au Cambodge pour passer certains messages. Voilà. Alors justement, en bas, au bas de votre peinture, de celle que vous aviez peinte sur la façade du Centre culturel de l'Institut français, vous avez marqué « Rajoute des couleurs à ton passé ».« Rajoute des couleurs si, au présent, au présent si ton passé te semble gris ». Ça pourrait résumer finalement oui, ce oui, que oui, vous puis, souhaitez. Oui, oui, j'écoutais ce que notre cher David Chou disait tout à l'heure, où quand on parle du Cambodge, on entend souvent parler soit dans le Cambodge, soit des Khmer rouges, malheureusement. Et ce qu'on voulait faire avec mon équipe quand on est venu tourner le documentaire, c'est pas juste focus, j'en perds mon français, mais... De se concentrer pas uniquement sur cette période-là. Exactement, sur cette période-là, mais de montrer justement
À ma grande surprise, justement, en découvrant Vissal, Clap Your Hands, qu'on a vu Belle danser sur une de ses musiques, voir qu'il y a justement une renaissance culturelle à différents niveaux, je trouve ça incroyable. Et c'est pour ça que je pense qu'on se concentre sur le présent, même si, bon, on a tous un passé. Et alors, depuis peu, il y a même une galerie à Phnom Penh. Je disais que Phnom Penh était la capitale du Cambodge qui était en pleine mutation. Et cette mutation, elle passe aussi par l'ouverture de nouvelles galeries. Et il y en a une, justement, consacrée à l'art urbain qui vient d'ouvrir. Oui, on vient d'ouvrir avec Tony de Cobalt Gallery, juste à côté du musée. À quelques pas d'ici. Exactement. Oui. Donc, ça tombait bien. C'était pas très loin aujourd'hui. Heureusement, pour amener votre œuvre. Voilà. Donc c'est pour montrer, c'est vraiment une galerie internationale parce que le street art, l'art mural, le graffiti a explosé dans le monde et avec des grands artistes contemporains primés dans les galeries. Et donc c'est une nouvelle plateforme, entre autres pour montrer internationalement qu'il y a une scène locale cambodgienne et aussi pour, justement je parlais de cette première génération de graffeurs locaux qui sont nés ici. Donc c'est pour créer une plateforme et commencer à jouer avec tout ça et voir. On construit brique par brique, on verra. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, hein, Fonky. C'était un vrai plaisir. Merci aussi. Je me retourne pour la voir à nouveau. Ce contraste des gris et des oranges, vous mettez en fait du relief. Hein. On a l'impression que ça pourrait être un bas-relief finalement. Oui, je pense que j'ai essayé un peu, c'est une exploration du résultat d'avoir peint toutes ces 5 dernières années. J'étais à la chasse de toutes les maisons abandonnées, les vieilles maisons coloniales. Donc les murs parlent et donc j'essaie de le transmettre sur toile à ma façon. Merci beaucoup Yves Fonky d'avoir été avec nous. Merci. Alors vous avez vu, le soleil est revenu, il fait même très chaud là en ce moment. C'est ça la saison des moussons, la saison des pluies au Cambodge. On passe de la pluie au beau temps, toujours dans ce cadre absolument magnifique du musée national de Phnom Penh, avec une fabuleuse, une des plus riches d'ailleurs, bien sûr, collection d'art khmer. Vous êtes toujours dans le tour du monde de la francophonie, 25 heures de direct. Ça a commencé donc à Paris il y a maintenant de ça un peu plus de presque 19 heures maintenant déjà. Nous sommes ici à Phnom Penh. On va, la prochaine destination, ce sera l'Inde. Je ne sais pas si on est déjà connecté avec Mumbai, où on retrouvera Nidia Pallakara. J'attends qu'on me fasse signe. Peut-être que quelqu'un peut me dire si on est déjà avec Nidia Pallakara. Non, nous ne sommes pas encore. Elle doit être encore en train de se préparer pour ce tour du monde de la francophonie, que vous suivez également sur les réseaux sociaux, sur notre site internet, hashtag TDMF, on sait que vous êtes nombreux, parce que depuis la prise d'antenne à Paris, hier, 21 septembre, à 13h, il y a énormément de réactions sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup de nous être fidèles. C'est vrai que ce tour du monde de la francophonie, c'est un peu un tour de force, hein, de faire du direct comme ça. On va pouvoir rejoindre nos invités, peut-être peuvent revenir en attendant de rejoindre Nidia qui sera en Inde. Venez, Madame la Ministre, Madame l'Ambassadrice. Dissavet, Krotsochara, voilà, Belle, la danseuse également, qui nous a fait une formidable prestation. Asseyez-vous, voilà. <Je peux pas. rire> Merci beaucoup, en tout cas, à tous d'avoir été avec nous. Alors, en un mot, s'il fallait dire quel est le mot qui symbolise la francophonie, je pense qu'on a le temps, si chacun peut y penser. Krotsochara, si vous deviez donner un qualificatif à la francophonie, que diriez-vous? Vous avez le droit de passer votre tour, Fonky. Oh là. Oh. En un mot, j'ai des mots en québécois, ça, je vais le passer. Eh bien, dites-le en québécois, nos amis québécois. Nous, regarde, il faut partir de la francophonie. C'est une question, et dans ma tête, quand vous avez dit ça, j'ai dit tabarnak, c'est une tabernacle. Question difficile à répondre. Exactement, madame l'ambassadrice. Je dirais un mot vibrante. Vibrante, la francophonie vibrante. C'est vrai, on en a vu un exemple formidable depuis ce début du tour du monde de la francophonie. Dissavet, vous avez peut-être un mot pour illustrer la francophonie? Le cinéma, peut-être le 7e art. Cannes? Nice, où vous avez vécu? À Nice, voilà. Pour vous, la France, c'est Nice. Jean-Baptiste Pou. Nice, Côte d'Azur. Nice, Côte d'Azur, voilà. Et tous nos téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde apprécient ô combien, c'est vrai, cette fabuleuse région de France. Jean-Baptiste Pou. Moi, je dirais vivace. Vivace, effectivement. Et vous en êtes la preuve aussi, madame la ministre de la Culture. Moi, je dirais que la francophonie, c'est la langue de la culture et le Cambodge, c'est le pays de la culture aussi. Donc, ça vient ensemble. Et c'est aussi le berceau de la francophonie en Asie, parce qu'il faut le dire, il y a 3 pays du Mékong qui font partie de l'organisation
Fédération internationale de la francophonie, qu'on salue notamment. Et c'est le Cambodge, vous l'aviez dit, qui était le plus vibrant au niveau justement de cette vivacité du français dans le pays, avec 400 000 personnes quand même, rappelons-le, qui parlent le français au Cambodge. C'est plus qu'au Laos, c'est plus qu'au Vietnam. Donc on va le dire quand même cette fois-ci. Et le berceau est le berceau de la francophonie. Est-ce qu'on a Nidia Palakara depuis Mumbai? Ils sont en train de finir Phnom Penh. Est-ce que Nidia m'entend? Je vois qu'il est 12h58. Bonjour, alors il me semble que nous sommes à 5000 km l'une de l'autre. Phnom Penh, Mumbai, en tout cas nous on est prêts hein, avec mes invités, j'ai hâte. D'ailleurs on a tous hâte ici, donc ne bougez pas, à tout de suite.